J'ai vu Vanister. Vanister, mon petit. J'ai vu, tu as fait un post là. Pour Happy de Fulan. Prenez la partie si vous partez donner à Vanister. Prenez la partie. Parce que quand il va parler, il va encore se fâcher avec moi. Mais il faut que je lui dise la vérité. Oh, mon petit Vanister officiel là. Je t'ai vu dire que tu as vu Happy de Fulan marcher à pied et tout et tout et tout et tout. Et tout. Moi, j'étais resté ici. C'est sur cette page-là que j'ai fait le direct de Happy de Fulan. Tu peux encore aller voir ça sur YouTube. Coupez cette partie, vous allez donner à Vanister. C'est cette petite partie-là que je veux dire. Si on met le litchi pour Happy de Fulan, moi, je vais boycotter ça. Je vais boycotter ça pourquoi? Parce qu'il faut qu'au moment, quand nos enfants sont petits, on s'occupe. Quand Happy de Fulan a eu des problèmes, moi, on m'a appelé ici en direct. On m'a dit qu'il y avait la kidnation, qu'on a kidnappé Happy de Fulan. Je me rappelle très bien. C'est moi qui ai amené le mot kidnation ici là. J'ai fait le direct ici, on a pris Happy de Fulan ici, en direct. Où il a expliqué ses problèmes, qu'on le tapait, il n'avait pas l'argent, on cassait ses pieds. Moi j'ai fait ça. J'ai lancé un litchi. Le même jour, le général Vassero a fait. Il a proposé 500 000 francs. J'ai commencé à cotiser. C'était le numéro de... Il y avait le numéro de 2-3 gars là. Le gars qui fait le mollé là, qui produit le mollé. J'ai oublié les noms là. Il y avait plein. On a donné les numéros. Moustique le charismatique peut témoigner ce que j'ai dit. Vanessa, si tu ne comprends pas, il faut aller demander à Moustique. Puisque Moustique était dans le comité. Il y avait Moustique, il y avait le gars qui a la page Kéré Congo, ça là, mon bon ami. Il y avait 2-3 personnes. Nous avons fait un comité. Pour aider Happy de Fulan à sortir de tout ce qu'il vivait là. On a dit que bon, il faut que je mobilise pour que Happy aille dans une clinique. J'ai commencé, j'ai causé avec Happy. Il m'a dit que oui, ma mère, ne t'inquiète pas, si on cotise, je vais dans une clinique. Moi, j'ai contacté les docteurs au Cameroun pour qu'on soigne Happy par rapport à son addiction à on ne pas. Il faut dire les vérités, c'est le départ qui dépend, qui dérange Happy. Ici là, les gens dorment dans les rues à cause du départ. Toi la Vanister, tu es ici en Beng. Tu connais comment le départ. Quand quelqu'un est dépendant du départ, s'il n'accepte pas, on ne peut rien faire pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le temps, des semaines et tout. Le cœur dérange Happy de Fulan. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé une quête. On a trouvé une clinique où il devait aller. Sa famille a pondu un communiqué le lendemain que Happy n'a aucun problème et que tout ce que nous faisons, ils n'ont demandé à personne de faire quelque chose. Et on m'a menacé. Le communiqué, là, j'ai lu ça ici. J'ai posé sur ma page, j'ai dit que j'enlève mes mains. J'ai demandé l'argent qu'on avait cotisé déjà. Ils sont partis pour menacer parce que ça arrive au Cameroun. J'ai demandé aux gens là de donner ça même aux orphelins ou le rembourser aux gens qui avaient donné. C'est de ça qu'il s'agit. Après là, c'est fini. Happy m'a appelé. Happy a disparu. Il m'a appelé une ou deux fois encore ici. Après, nous avons vu. Il était avec Moustique. On a dit qu'il a eu le producteur. Il a eu ceci. Il a eu cela. Donc, Vanister, quand tu veux déjà porter les paquets qui vont te dépasser là. Oh, je t'ai vu. Attends, il faut qu'on aille sur ta page et lire ce que tu as écrit. Moi, je te conseille. Hein, la famille a dit qu'ils sont trop prêts pour leur fils. Donc, enlève ton pied dans l'affaire là. Attendez, allons sur Vanister. Vanister officiel. Moi, je t'ai vu dire des choses. Mon petit, il faut te calmer. Nous, artistes, sommes nombreux. Voici ton poste. Nous, artistes, sommes nombreux. Mettons-nous ensemble pour sauver notre jeune frère Happy de Fulan. Je sais que s'il lui arrive quelque chose de regrettable, des mobilisations vont venir de partout, mais ça ne l'aidera pas. Il n'y aura aucune mobilisation et on va rester sain. Tu as compris avec quoi? Il n'y aura aucune mobilisation. On va aller l'enterrer propre. Nous ne sommes pas responsables de son cœur. On ne peut pas vouloir aider quelqu'un. Sa famille a dit que tout va bien. Donc si tu veux aider, aide. Quand tu arrives quelque part, tu déposes ton paquet, tu continues ta route. Ne nous mets pas la pression. Tu ne peux pas savoir le comité qui était derrière pour aider Happy de Fulan. Ce n'était pas du n'importe quoi. Nous avons tout fait pour aider. Donc, si tu veux aider, aide sans taper le dicalo. Tu fais doucement et tu déposes ton paquet. Moi, ce que j'ai fait, c'était sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu la mobilisation qu'il y avait. Et je suis venu écrire que
N'exagérons pas, s'il vous plaît. Moi, j'ai mobilisé, c'est pour lui, Vanister. Quel a été le résultat? Sa famille a pondu un communiqué pour dire que tout allait très bien. Franchement, arrêtons la mendicité. Ça commence à bien faire. Ce que j'ai fait, c'était sur les réseaux sociaux. Mon petit Vanister. Moi, je t'aime beaucoup, hein. Vanister, je t'aime beaucoup et tu le sais. Tu sais que je t'aime beaucoup. Mais je sais que ta jeunesse te dérange souvent un peu. Je t'ai toujours dit ça. Tu es un petit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ton humilité. J'aime beaucoup ton bon cœur. Tu as un bon cœur. Tu ne vas jamais de ce côté. Tu as un très bon cœur. Mais parfois, tu es naïf. Et tu veux souvent me déranger. Donc, je suis souvent obligé d'être dur avec toi pour te remettre un peu la tête au milieu du village. Parce que moi, là, je vais à 50 ans. J'ai plus d'expérience que toi. Même en âge, même dans le showbiz. Donc, je suis obligé. Maintenant, regarde qu'est-ce que tu écris. Parce que j'écris ça. Tu viens de dire que, à Pédophilan, les saints qui n'ont jamais péché, ceux qui sont des exemples de la perfection, se moquent de ton malheur. Mais fais-moi confiance, mon petit. Dieu va t'aider et tu vas te relever. Tu peux compter sur moi. Bon, Vanister, si tu veux faire, va faire. Ça ne dérange pas. Mais ne nous culpabilise pas parce que nous avons fait pour nous. Ça nous a dépassé. On a dépassé. On a déposé le paquet sans faire le dicalo. Tu comprends, non, Vanister? On a déposé le paquet à Pédophilan sans faire, sans taper le dicalo. Fais à ton niveau, mais ne nous culpabilise surtout pas. Nick Miyono est au courant de Kerel Kongosa. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour appuyer Fulan? C'est le cœur qui dérange cet enfant-là. Et presque tous les enfants du monde la prennent de cœur. Le Népa. Je ne sais pas si on a expliqué au gars qu'en chantant le mollet, on doit être accro au Népa. Il y a encore plein ou deux ou trois enfants-là. Comme moi, je les ai vus. Le Népa là. Le Népa. Le cœur. C'est un problème dans le milieu du mollet. Et il faut dire les vérités. Le Népa. Le cœur. Donc il faut que ça s'arrête. On ne peut pas aider. Vous croyez que quoi? Vous aidez quelqu'un qui fait le départ. Il faut d'abord que la personne accepte que lui, il prend le départ. Qu'il prend le cœur. Que c'est le cœur qui le gère. Vous croyez que le milieu du mollet n'avance pas? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de cœur dans le mollet. C'est trop. Pourquoi on ne va pas vous dire ça? Toi, tu es là, tu chantes avec ta guitare. Tu vas même prendre le cœur pour chanter quoi? Tu es là, tu chantes doux. On a vu ton son que tu as sorti pour ta grand-mère. Ça veut dire que tes neurones sont posés, Vanista. Tu réfléchis, le cœur ne te contrôle pas. Déjà, tu ne prends pas ça. Je suis sûr. Parce que la façon dont tu es posé, on sent que tu sais où tu vas. Mais après, il faudra même discuter avec lui. Lui, il n'y a pas moyen de discuter. Le gars est dans les vapes. Le gars est au village. Là où il est là, il est avec sa mère en Balmayo. Si sa mère ne peut pas prendre soin de lui, c'est nous. On a tout fait. Moi, je connais plein d'artistes qui ont voulu aider Happy de Fulane. Ça les a déposés en route. Moi, je connais des artistes qui ont pris les premières parties d'Happy de Fulane. Ils ont donné l'argent à Happy de Fulane. Même venir chanter Happy de Fulane n'a pas eu la force. Vous voulez? Parce qu'à un moment, il faut qu'on vous dise ça en face. Parce que quand on contourne comme ça, vous croyez qu'on a peur? Happy de Fulane doit d'abord accepter qu'il est le dieu du cœur. Et il accepte de se soigner. Et puis on va commencer par là. Combien de rechutes il a eu? On contourne les histoires comme ça. On ne cotise rien. Kikok. Si tu veux aider, tu aides à ton niveau. Quand le cœur va le dire, tu déposes. Quand tu peux déposer, tu continues ta route. Tu sais le nombre de personnes qui ont aidé ce gars et se sont fatigués, ils ont déposé en route. Appui un problème de cœur. Et ne dépose. Donc si tu veux aider, aide. Quand ça te dépose, tu déposes. C'est tout. Nous tous on a fait. Il y a eu des comités pour aider Appui. Sa famille est venue pour un gros communiqué. Vraiment, nous sommes riches. On n'a pas de problème. J'ai dit, ok. J'ai déposé le communiqué sur ma page. J'ai circulé. Et débâcle. Moi, là, Appui m'a appelé combien de fois? J'ai même pas. J'ai décoché, je l'ai salué. Ça s'arrête là. Je vais parler de quoi? Moi, je suis allé faire les problèmes à un producteur pour Appui. Le monsieur vit ici en Suisse avec moi que non, il vit pas à la frontière, qu'il peut me voir ses nerfs. Parce que je défendais Happy. D'accord? Donc, au moins c'est l'argent, là, on va aider Aïdjo Mamadou. Au moins celui-là, vraiment. Lui, au moins ce mois, il peut encourager qu'on l'aide. Mais Happy, on va lui donner 10 francs, il va encore aller tomber dans le cœur, on va faire quoi? Il faut d'abord que Happy accepte. S'il a dépassé ça, il est emballement chez ça, dans sa famille. Il n'est pas dehors. Ça veut dire que le cœur, s'il est perdu en Balmayo, ça veut dire que le cœur le dépasse. Vous voulez déranger les qui? N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. High Tech Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien, dédié encore sous réservation. High Tech Training Institute est situé au 3e étage Fundimal, Yaoundé au lieu-dit Kameko. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer.
Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hightech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique, HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce aux formateurs chevronnés et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hightech Training Institute est situé à Yaoundé au Foundimol, téléphone 695 87 35 42. Email info@htti.net, site web www.htti.net. Hightech Training Institute. Knowledge is power.